Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Repas Universalis 4, dernier épisode de la semaine. On fait un petit tour d'horizon, il n'y a pas grand chose à en dire, il n'y a pas grand chose qui a bougé. On a joué 20 ans, on a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 provinces chez les orthodoxes. Alors ici, on n'a pas fait grand-chose, on a repris l'Angleterre, on a pris la Bretagne et on a commencé à vassaliser une, deux, trois, quatre, cinq provinces, plus une qu'on a prise. Toutefois, là, je vois qu'ils sont en train de travailler dur. Et on va probablement bientôt, dès qu'il y aura moins de pays ici, on va pouvoir lancer un assaut pour récupérer les terres. Alors moins de pays, pourquoi? Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait plein de pays dans la coalition, je voudrais tout prendre en même temps, ici, tranquillement. J'ai un peu peur que l'Angleterre rentre dans la coalition. Figurez-vous qu'elle n'est pas très élevée. Alors pourquoi je perds que 1,3? C'est parce que j'ai beaucoup de surexpansion, hein. Je vous rappelle que la surexpansion à 100%, vous perdez un point d'expansion agressive, de perte d'expansion agressive par an. Donc fatalement, ça aide pas. Et en plus, j'ai un prestige négatif. Donc ça enlève aussi de l'amélioration des relations. Je dois être à peu près à moins 33% d'expansion agressive. Sachant que normalement c'est 2. Si je suis à 1,3, c'est que je suis à moins 33%. Ben, voilà. Moins 43% à cause des 86 points de surexpansion. Et le moins 28 de prestige font moins 14%. Voilà. Là, Gazimut, coalition. Alors, la coalition ne me fait pas peur. Ce qui me fait plus peur, par contre, c'est eux. 50% en reliance, c'est très bien. Extension du monopole. Ouh, ça c'est tellement bon. Très 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 bon. Beaucoup 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 plus bon. De l'argent veut dire que je vais aller faire des troupes encore. Hein. Là on y va. On s'embête pas. 16 000 hommes ici, on a dit. Et on va ramener toutes les troupes possibles. Alors, ce qui a fait baisser d'autant, on était quasiment à 59 il n'y a pas longtemps. Ce qui a fait baisser d'autant, vous voyez, Orléans, c'est mes troupes hein, que je suis en train de créer là. Je suis en train de monter considérablement en troupes. Hein, déjà pour éventuellement calmer un peu la coalition. Pourquoi j'améliore Orléanais? Oui, j'améliore Orléanais pour qu'il se laisse annexer. C'est plus la peine. Il faudrait maintenant améliorer la Bretagne. Parce que ça serait un gros avantage pour moi si elle passait positive. N'oublions pas qu'ils vont tous prendre moins 30 là. Hein. Alors on a quoi ici? Hop là, le trait avec Munster a expiré. 14 000, on a bien 30 000. Ok, 14 000, on va repartir à la maison. Ouh, Venise se fait manger par Ferrare. Occupé par Mulhouse. C'est une rébellion, c'est un truc comme ça? Mulhouse et Palatina, bon bah pourquoi pas. Annulé. Alors j'ai annulé l'influence sur Orléans, donc il a dû repasser. Voilà. Décidément. En même temps, on va créer d'autres unités encore. Allez, 1, 2, 3, 4. On va retourner améliorer encore un petit peu Orléans parce qu'il faut que ça se fasse, hein, ça. Oh bah un merveilleux royal, voilà qui va aider. Parfait. Armagnac. Foi. Un petit mariage royal, non, on l'a encore. Castille. Mariage. Bourgogne. Mariage, c'est bon. Luster. Mariage, tu veux pas, toi? Mariage, tu vas pas vouloir non plus. Kildare, mariage, tu veux pas, personne ne veut. Hein. Vous êtes tous tellement méchants avec moi. Moi, c'est pas grave, ceux qui comptent sont bons. Par contre, je pourrais m'intéresser à Bourbonnais et Armagnac plus qu'aux autres, hein, je pense. Hein. Il va falloir s'intéresser à Bourbonnais et Armagnac plus qu'aux autres. Donc, on va améliorer avec eux. Castille, Muscovie. Bah oui, mais non. Non, non, c'est deux costauds et... Ah, Moscovie.
Allez, Moscovie, vraiment pour le principe. Voilà, et on va pouvoir finir nos légitimations. Les Ouzbeks attaquent Moscovie, Kyrgyzstan. Tu vas te faire défoncer, gars. Défoncer, défoncer. Ouais, je sais pas, on va voir. La Moscovie, elle est vénère. Hein. Elle est vénère, mais je m'en fiche. Je mets la tôle quand je veux. Je crois. Hein. Je suis pas sûr, sûr. Alors non, on va pas investir. Hein. On va acheter tout simplement là des petits. Tout simplement. Parce qu'on a besoin de gagner plus d'argent, par contre. Hop. Mes forteresses, on baisse. On repart en mode je gagne des sous. C'est important, on n'a plus de dettes. Ici, on va se réunir là. On va regarder ce qu'on a au final. On a un 10, on a un 14-0. Et là-dedans, je sais pas ce qu'on a là. Ah, on n'a plus de. Mais là, j'ai pas de. Cavalier, attends. Un 12-2, ça fera l'affaire. 14. Là, on aura un 3. Je préfère un 15-3. Ce serait propre, un 15-3. Donc, reste ici, toi. Naissance d'un système fiscal permanent. Très bon, ça. Commencer à aller nettement mieux. Voilà, eux sont en train de, ils sont sur le point de repasser positif quasiment tout seul. On n'a pas vraiment de mec pas trop content. Ils sont très peu en tout cas. Parfait. Bien. Faudrait attaquer celui-là, moi qui veux devenir vassal. Oh, il accepterait de se faire vassaliser. Et en guerre contre Tyrconnel, c'est quoi comme guerre? Défenseur dans Tyrconnel de Skizlag. Ouais, mais peut-être qu'il va prendre Tyrconnel. Celui-là, je suis pas trop pour les vassalisations, mais. Waouh, je l'attaque. Je l'attaque, ils sont plus que 4 hein, là maintenant. Hein. On va attendre que ça continue. Ils seraient capables de prendre tout, sauf ça, et je pourrais leur attaquer qu'une seule personne. État pontificaux 54, on surveille ça, hein, très important. Voilà. Relation diplomatique tournoyeuse de 4. Notre vassal, j'ai un passage quelque part? Non, pas de vassal, pas de ça. L'Angleterre veut passer Écosse, Bourgogne, Nivernais et Flandre, ben on la laisse. Un exilé aragonais. Aragon nous aime mieux. Compétence 2, 5% de discipline, je crois que c'est l'occasion pour nous justement de. Ah, c'est ce qu'on attendait depuis un moment. Dix-sept-deux. J'ai fait un peu trop de troupes comme ça, on va faire un 17-3. Provence s'est retirée de la coalition. Alors là, il faudrait que j'attaque peut-être lui maintenant, Tyrone. On va aller voir comment ça se passe un petit peu là-haut parce que on est en perte d'extension agressive. Là-bas. Ah, excellent, l'Angleterre viendrait. Oh, mais ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux.
Ça, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Reste attention, hein. Faut pas qu'on se fasse coincer ici, nous, hein. Oh, occupé par Angleterre. Ouais, il a ses troupes chez nous. Déclin d'innovation, ma vieille fichue. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est très très beau. Ils aiment ça hein, quand on fait des troupes. Ils sont fans. Ils sont complètement fans. Ouais. On a vu 1000 en attente. L'annexion avance. Les séparatistes machins, ils sont très très faibles. Là, j'ai un bonhomme qui fait rien. Et là, si j'attaque ici, qu'est-ce qui se passe? Clark 4 vient. Ah! C'est quoi Clark 4? C'est lui. Ah, ça c'est bien ça! C'est très très bien, c'est encore mieux. Allez, go. Et après, on fera l'attaque contre lui. Personne ne veut travailler. Rendez-moi mon fric. Parce que là, ça m'embête un peu de déclarer la guerre à l'Angleterre quand... quand il est chez moi. Je préfère quand il est chez lui. Je vais le combattre sur son terrain. Castille contre Aragon. Je viens de se retirer de la coalition. Alors mon bateau, purée. Soutenons l'un des deux camps. Non, 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 non. J'ai rien perdu? Bah si, j'ai perdu 1000 hommes, probablement. Ah non, il y avait 8000 dedans. Par contre, me fais pas le coup de me choper plusieurs fois. Hein. Et ben ça m'embête quand même, parce que du coup... l'idée, ça serait de faire une paix à part. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais une paix avec Aragon? Bon, on le saura plus tard. Par contre, là non, ça, ils sont gentils, mais faut pas leur laisser le labour et le machin là. Oh. Faites votre guerre dans votre coin. Est-ce que je peux passer là? Je pense que je peux passer maintenant. On va aller là. J'espère que je vais pas me faire choper. Je crois que Castille, il a bien libéré le truc. Après Castille, il faut pas qu'il se fasse d'illusions. Hein. Je vais pas me laisser marcher sur les pattes, mais il faut pas déconner. Alors, il y a que Trébizond des Bretagnes qui viennent pas. C'est tellement bon. Comment ça, circaser ses troupes? Merdouille, je suis en guerre contre Gênes. Faut que j'aille faire du score de guerre à Aragon. Merdouille, bah j'espère qu'ils vont faire du score de guerre, mes vassaux. On va faire un aller-retour à nouveau. Hop là. Ah ouais, bah ils vont se servir, hein, parce que là je peux pas faire grand chose.
Qu'est-ce que tu fous? Castille. Moi, ce que je pourrais faire, c'est aller sur Gênes. Parce que je peux pas le sortir de la... Ah oui, non, 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 tu restes en 18. 17-1, c'est pas vrai que t'as laissé la cavalerie. Bon, bah non, tu vas rester en... Bah, me dis pas à chaque fois. Ça sera tellement rapide, de toute façon, là-bas, que j'aurai même pas le temps de réagir. On va quand même revenir ici. Mais selon moi, c'est peine perdue. Théodoros s'est retiré de la coalition. Hop là. On continue. C'est qui? L'Angleterre? Elle va dégager. Ouais, l'Angleterre va sortir des grandes puissances. Malgré sa paix contre l'Écosse. Pour l'instant, elles sont pas prises, ça me rassure un peu. Restez groupés. Ouais, ça devrait être bon, la guerre se passe très bien. Est-ce que j'ai 10% de score de guerre? Non. Ah bah Jeanne, faut pas me chercher en même temps. Hein. Allez les vassaux. Bourbonnais, Armagnac, Foix, Munster. Genève a déclaré la guerre à nos ennemis Savoie. Je savais même pas qu'on était en guerre contre Savoie. On est en guerre contre Savoie? Pas vraiment. Allez hop. Fabriquer une revendication. L'arcade, je le coche. Leinster, bon bah c'est réglé. Hein. C'est réglé. Prendre l'Egling. Ah bah mince. Surtout qu'il a pris l'autre là. Bah oui, mais avec 4000 hommes, vous espériez quoi, les gars? Et c'est fini la guerre. Bah oui, fallait pas vous attendre à autre chose. Oh là, on est passé. Il y a mes vassaux qui sont dedans. Passer chez moi. La Bourgogne, t'es encore en guerre? Savoie, Saluce, Mantoue et Brigance, c'est déjà mieux. Orléans, tu vas occuper ça, s'il te plaît. Alors ce que j'aime bien, c'est que en général, les déloyaux sont quand même souvent, assez souvent loyaux pour les flottes. Ils viennent vous aider. Intégration de foi. Parfait. Ça, ça fait du bien. Et on a sorti Genève. Pour moi, je viens là.
T'es éliminé. Alors Aragon, si je fais une paix à part et je te demande des trucs. J'avoue, les gens ils s'en fichent un peu. Comment ça se fait que les gens ils s'en fichent de ça? Portugal, Venise, c'est trop. Théodoros, Savoie, Angleterre, ça je m'en tape un peu. Je vais pas prendre de terre. Cinq, réparation de guerre. Et là, qu'ils occupent pas, je peux pas les demander, c'est bien dommage. Allez, je prends pas de terre. Il faut que je gère mon expansion agressive. Plus que tout le reste. Allez, comment ma confiance là? La baisser un peu. Hein. Hop. On va la remonter. J'aurais bien effectivement gagné plus de points de faveur et tout en acceptant une paix séparée. Enfin, une paix avec lui, mais il m'aurait donné que dalle. Je le sais. C'est une enflure. On va se préparer à la guerre contre l'Angleterre. Donc, on a un excès fou en cours de route. Donc, du coup, Armagnac, ça pique. Bourbonnais, ça pique. On est loin, loin, loin de pouvoir les annexer, dites donc. Va falloir améliorer les relations. Armagnac. Qu'est-ce qu'il veut se marier aussi? Toi? Tu veux te marier? Hop, on y va, on se marie avec tout ce qu'il veut. Toi aussi, je me marie. Lui, il veut pas. Non, il est plus loyal. Le vilain. Donc on va essayer d'économiser un peu l'argent maintenant pour prendre des mercenaires si l'anglais débarque chez nous. Bien sûr que tu peux passer chez moi, mon poteau. Intrigue à Paris. Oh, c'est pas vrai. Perte de 50 points. Bon, mon amélioration des relations va aller mieux.
Problème, c'est que si je fais la, si je déclenche la guerre, je peux pas passer là, moi. Je peux pas l'attaquer chez lui. Clairement pas assez de flotte. Après, allez savoir si j'ai pas assez de flotte au final. Tireur normand de Portugal. Mais il n'y aurait pas Portugal. Il a vraiment pas beaucoup de troupes. 31 000. Avec 19 000, je peux rester ici. Le problème, c'est que là, je sers à rien. Et que s'il débarque chez moi, ça pique. On peut faire un peu de score de guerre en prenant Calais. T'as pas gagné, hein. Là, on va... Ici. Ouais, oui, je sais bien que tu veux bien que je te vassalise, mais... Je peux pas vassaliser tout le monde, gars. Faut que tu me comprennes. Toi, t'es allié à l'Angleterre, et toi, t'es allié à l'anglais, c'est tout. Donc, il restera lui après. A priori, on attaquerait deux fois l'anglais. Pas de coalition, à part les gens dans le coin. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Je sais pas où me mettre là. Après, je peux faire des troupes. Je peux encore faire 12 000 hommes ici. Et là, dans quel cas et comment je pourrais passer? C'est ça que je vois pas trop. Alors, on va trouver une solution pour passer. Norvège se prépare à attaquer l'Écosse, ça c'est plutôt bien pour nous. Peuvent se débrouiller tout seuls, réserve locale. Toujours la manpower. Problème, c'est qu'il faut vraiment que je mette tout le monde. Faut que j'arrive à passer avec tout le monde. Le problème, c'est qu'il est plus fort que moi là. Non, non, c'est des vaisseaux de transport, ça. Donc il est techniquement pas forcément plus fort que moi. Tiens, il faudrait que j'aille me reposer. J'ai capturé des vaisseaux? J'étais capturé. Ben voilà, maintenant je suis plus fort. Conquête. Et ça, ça pique un peu trop. Conseil dynamique. Modif national d'impôt. Il faut que j'améliore ici, Armagnac. Il reste Trébizond des Bretagnes. Les autres sont parfaitement fidèles et ça va être pas mal. Parce que mine de rien, on a quand même Orléans qui a 8 000 hommes. Bourbonnais et Armagnac, là on a 14 000. On a 14 000, on a 7 000 hommes de soutien ici. 7 000 hommes de soutien ici, 14 000 ici. Et si j'arrive à mettre. Dans le pire des cas, je peux payer pour que la Bretagne vienne. Et ça nous fait 20 000 hommes sur ici pour nous défendre. Je pense que c'est jouable. Croissance de l'administration, ça j'aime bien. En France, évolution mensuelle de l'économie. Ouais, mais non. Puissance commerciale totale. Relations diplomatiques plus 1, ça c'est tellement bon. Sur expansion moins 2, hein. C'est facile à dire, hein. Déjà beaucoup moins facile à faire. Ouais, je ne demande que ça. Je pourrais peut-être en donnant des terres ici. Le problème après, c'est que si je les... Si je les annexe pas,
Eh ben, ça picote. Alors, tout le monde s'en fout que je fasse ça. Donc, bagot. Voilà. Ça aussi, tout le monde s'en fout, je m'imagine. Et donc, on n'a pas beaucoup de rebelles, hein. On n'en a que là. Excellent. Voilà. On garde de l'argent pour payer des mercenaires. Là, on s'apprête à aller affronter nos ennemis et à prendre le reste de l'Irlande. Mais ça sera dans un autre épisode. Demain, je pense qu'on va attaquer l'Angleterre pour éviter qu'elle rentre dans la coalition. Faut que j'arrive à passer ici. Ça va être chaud bouillant. Il faut que j'arrive à passer ici. Pour le coup, il faudrait vraiment que je fasse des bateaux. Mais j'ai un peu peur de me prendre une tellement grosse dérouillée là. Oh, ça me fait peur en fait, hein. Et si je peux pas passer. Après, je pourrais attendre qu'ils s'éloignent. Ils vont venir ici, ils vont s'éloigner, ils vont tenter le truc, ils vont coincer pendant un moment. Et puis d'un seul coup, je passe. Quitte à déclencher en fait, à bloquer la flotte ici, vous voyez? À déclencher un combat à côté. C'est-à-dire à prendre le truc, ils vont revenir, je me déplace, il y a bataille ici, et pendant ce temps-là, je passe. Je crois que c'est ça qu'il va falloir que je fasse. Parce qu'une fois que j'aurai fait passer 40 000 hommes chez les Anglais, la guerre est gagnée. En plus, il y a des. Si je prends la terre qui est ici, ils peuvent plus me bloquer. C'est à nous les deux côtés. Donc ils peuvent plus nous bloquer, même avec leur bateau. Et du coup, on peut valider facilement la prise de ces deux terres, d'une seule d'ailleurs. Mais on pourra redéclencher une guerre contre l'Angleterre juste après. En attaquant celle-là. Voilà, au niveau de l'expansion agressive en Europe, on est cool. 60 sur le Nivernais, mais on s'en fiche, il compte pas. La Bourgogne, c'est notre futur allié. Ou c'est notre déjà allié. La Bourgogne, c'est notre allié. Marie de Bourgogne est toujours l'héritière, c'est parfait. Ici, on a 190 avec la Castille. Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.